Hortus Focus. Hortus Focus. Hortus Focus présente. On dit que les mantes sont invasives, vrai ou faux ? Alors les mantes sont très invasives, c'est souvent un problème quand on veut les cultiver, mais en général, vaut mieux avoir des plantes qui sont invasives, qui poussent très bien, que des plantes qui sont un petit peu délicates à cultiver. Moi, ce que je conseille pour éviter qu'elles envahissent trop, c'est de les planter dans des gros pots dès le départ et d'enterrer ce pot, comme ça elles restent limitées dans une surface bien délimitée, ou alors on peut mettre des tuiles, des briques autour des mantes pour éviter qu'elles ne courent dans tout le jardin. Il faut les tailler régulièrement, il ne faut pas hésiter à les couper souvent. Plus on les coupe souvent et plus elles sont trapues, fournies et plus elles sont jolies. Et en plus, l'intérêt supplémentaire à les tailler régulièrement, c'est que les menthes ont un parfum qui est beaucoup plus agréable. Les jeunes pousses de menthe ont un parfum qui est beaucoup plus agréable que les vieilles tiges, hein, qui ont tendance à prendre un petit peu d'amertume et qui perdent leur arôme en vieillissant. À quoi faut-il faire attention comme maladie ? Pour les menthes, il n'y a pas vraiment de maladies qui les font mourir, mais par contre, ça peut déprécier un petit peu le feuillage. C'est essentiellement la rouille qu'on voit en fin de saison, souvent l'automne, les feuilles du bas sont un peu abîmées, mais ça n'impacte en rien le futur de la menthe, elle va repartir, il n'y a pas de souci. Des fois, il y a de l'oïdium aussi sur certaines variétés de menthe, c'est un feutrage blanc, mais qui pareil s'élimine en les taillant. Il n'y a pas de maladie vraiment très très dangereuse pour les menthes, c'est juste, voilà, le feuillage est moins joli et c'est dommage. Quand tu dis qu'il faut les tailler régulièrement, c'est combien de fois par an ? À partir du mois de mars, à partir du moment où elles partent, jusqu'au mois de novembre, le moment où les feuilles tombent et elles disparaissent, dans ce laps de temps, on peut tailler tous les deux mois, on coupe assez court, on peut tailler à 10-20 cm du sol, il n'y a pas de problème, ça repart très très bien. Est-ce que toutes les menthes sont rustiques ? Dans l'ensemble, toutes les menthes sont quand même bien rustiques, bien costauds, supportent des bons coups de froid. L'hiver, en fait, elles disparaissent, elles vivent sous la forme de racines et ensuite elles repartent au printemps. Est-ce que toutes les espèces, toutes les variétés de menthes ont les mêmes exigences de culture ? Les menthes ne présentent pas de difficultés particulières à la culture. Un sol à peu près riche et puis mi-ombre, ça leur convient très très bien. Il faut juste faire attention à une chose sur les menthes, c'est éviter les sols trop trop lourds, trop humides, trop argileux. Là, elles ont parfois un petit peu du mal à se développer dans ce type de sol. Mais voilà, elles supportent plein de choses. Elles supportent même des sols très secs, très, très sablonneux. Elles arrivent quand même à pousser dans ces conditions-là. Donc, ce n'est pas des plantes difficiles.